Try crumbs. Oh, crumbs. Christopher, on a Vincent Dupas pour les questions Facebook qui nous dit, qui te remercie parce que c'est quelqu'un qui est très disponible, il dit, avec les joueurs. Et il t'adore quand il te voit sur un hippodrome. Bon, c'est sympa, j'aime bien les gens qui aiment bien. Voilà, j'aime bien que les gens aient un bon contact avec moi. Et je n'ai pas à cacher, quand tu as une chance, tu as une chance. Et, si, la preuve, si on n'a pas ces gens-là qui jouent, ça ira encore moins bien. Donc il faut jouer carte sur table pour que c'est là qui va nous, ça va peut-être nous aider à se reconstruire. Fréquence Turf qui nous demande qu'est devenu Look At Me. Look At Me, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Normalement, les dernières nouvelles que j'avais, c'était le jour où on l'avait arrêté au haras de la Futley chez Jenny Quintin. Mais est-ce qu'il est encore là-bas? Je pourrais dire des bêtises. Frédéric Lefebvre qui nous demande, as-tu des chevaux qui sortent un peu du lot dans ta génération de 3 et 4 ans? Dans les 4 ans, à part des chevaux d'ordinaire, je veux dire, parce que même Brest du Gucci, c'est pas si je m'en d'ordinaire. Dans les B, je pense que j'ai quel qui est vraiment, je fais bien le tour dans ma tête, valable. Dans les 3 ans, je parle, parce que dans les 4 ans, c'est pas. Et ensuite, dans les C, ça a l'air mieux quand même, dans les C. Donc, j'en ai 3-4 qui tiennent la route. Un cheval comme Colibri des Pins, c'est Mac de Noyel que j'aime beaucoup. J'aime bien Centaur du Maine. Et à reprendre une jument qui a fait 2 mauvaises courses, mais je la reprends moi-même plus tard. C'est Colombe de Quercy qui faisait avoir beaucoup de qualité. Puis après, ça a été. C'était pas terrible. Et après, j'ai un cheval que j'ai gardé pour le trop monté, que tout le monde avait rigolé sur The Turf quand je l'ai passé à l'attelage. Parce que c'est un cheval monté, donc attelé, un peu compliqué, un Hulk des Champs. C'est Côte Genoyel, mais un cheval compliqué, mais je pense que lui monté, ça va aller. Anthony qui nous demande quel est ton meilleur souvenir en course. J'en ai plein, parce que même d'avoir gagné une banale course en province, pour moi, c'est déjà des bons souvenirs. Mais alors, d'avoir gagné mon premier groupe avec Pierre-Yves, ça a été avec Quartz de Calonne et puis Pierre-Yves, c'était super. Malek qui nous demande, est-ce que des chevaux comme Alfred Maza ou Brest du Goutier peuvent ouvrir leur palmarès prochainement? Brest, elle va aller en vacances, elle va l'ouvrir à mon avis la saison prochaine, si bien on va tout faire pour. Après, Alfred Maza, c'est pas un gagnant, mais un cheval qui a progressé dans sa régularité de forme, donc c'est très important. Julia qui nous dit que tu es un maître d'apprentissage, génial. Parce que c'est des élèves, j'apprécie beaucoup de former, j'ai formé des bons gars, hein. J'ai formé des très bons apprentis, si bien quand ils partent de chez moi, ils sont très bons, ils sont pas les mauvais, ils arrêtent le métier. Donc Julia, non, c'était une bonne, super, voilà, j'étais super élève sympa. On a Laurent qui nous demande si tu fais toujours des combats de coq. On a vu ça ce matin. Ouais, filmé. Après, je dis pas si je continuerai pour l'instant. Voilà, j'ai fait un gros élevage l'année dernière pour jouer un peu plus fort cette année. Donc, pareil, comme dans les courses, une mauvaise année, il faut retaper pour plus fort pour être meilleur l'année prochaine. Donc, c'est ce que je vais faire. Nicolas Rimbaud, encore lui, qui nous dit avec Lance, combien tu voudrais prendre de buts au parc? Oh, mais nous, tu sais, dis-toi une chose, c'est que nos joueurs à nous. Ils mouillent le maillot, ils ont un truc que personne n'a, c'est les spectateurs derrière. Faut pas oublier que Lens est classé dans les 3 meilleurs supporters au niveau des Gradins. Là, ils ont un classement et Lens est dans les 3 premiers. Donc je pense que ça peut... on n'a pas besoin d'autant de pognon, je pense, pour arriver à ça. Gérald qui nous dit, es-tu toujours stressé avant et pendant une course? C'est impressionnant. Quand je regarde, parce que ça me le fait pas, quand je regarde une première chance, attention, hein, la fois dernière j'ai gagné à Vincennes, je l'ai regardé quelques passages, mais c'est parce que j'ai toujours l'impression qu'au moment où je vais regarder, il va partir en sucette, donc j'ose pas le regarder, c'est surtout ça en fin de compte. Et si je regarde du début, je vais regarder jusqu'à la fin, mais si je regarde pas, j'écoute, c'est surtout quand j'ai une première chance. Et après sur le sulky, ça me le fait pas du tout. Et heureusement, parce que si tu regardes pas au sulky. Ouais, pour regarder, non mais cette pression là je l'ai pas. D'accord. Dès que je monte sur un sulky, je dis pas j'ai une première chance, si j'ai une première chance, je vais être hyper. Bah, tu vas devant de toute façon. J'ai une première chance, je vais devant, puis je vais être hyper. Je rentre dans le tas en partant, et puis c'est pour ça que je mène moins, parce que j'ai pas de chevaux pour les devants. Yves qui nous demande si tu te souviens de Rebelle des Taureaux. Ouais, c'est pas des super souvenirs. Alors, Paul qui nous demande ton meilleur cheval actuellement. Ah, mon meilleur aujourd'hui, qui peut nous faire lancer le truc, un cheval qui est en retard, hein, c'est facile à dire, il vient de gagner, donc c'est Alonso Darmaz. Après, dire que c'est mon meilleur, non, mais c'est un cheval qui peut rattraper le temps perdu, donc on va parler de lui pendant un petit moment, donc si on parle de lui, on parle de moi. Pierre Damien qui nous demande quel est ton hippodrome préféré et pourquoi? Moi j'adore Vincennes parce que c'est le temple. J'aime les 4 hippodromes que j'ai cités tout à l'heure dans mon reportage. Du Nord, je suis accroché aux hippodromes du Nord, j'aime beaucoup la région de chez nous. Il y a des bons champs de course. Toujours Pierre Denis qui nous demande quelle est l'origine paternelle la plus compliquée à travailler selon toi et au contraire la plus facile. Moi j'en ai pas parce que j'ai eu des petites origines, donc
Moi, le principal, c'est que le cheval, il encaisse. Et quand il encaisse, s'il encaisse, ça va. Donc, je m'en fous qu'il soit petit ou grand, parce que j'ai gagné avec des origines très compliquées. J'aime les chevaux très durs, parce que ben, ceux-là, tu peux en abuser un peu, faut pas dire de bêtises. C'est que le cheval léger à entraîner, ben, des fois, je sais pas trop bien faire ça. Franck qui nous demande, est-ce que ton exubérance lors de certaines de tes victoires ne t'ont pas parfois porté préjudice? Mais tout porte préjudice dans la vie. Des fois, quand on fait voir trop de choses, ça gêne les gens. Mais moi, c'est ma façon d'être, donc j'ai pas de regrets dans rien. Jérémy qui nous demande, que sont devenus les bons Soccer Doc et Vanita du Maine? Ah bah malheureusement, Soccer Doc, ça je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai entraîné, mais malheureusement, quand je l'avais acheté, il y avait déjà un problème à un pied. Et puis avec le docteur Villa à Chantilly, on l'a réglé, on a été jusqu'au bout des choses, et un jour il m'a dit faut arrêter, donc on a arrêté. La preuve, j'ai même eu le culot d'envoyer chez Franck Leblanc, et lui il a couru dans l'herbe, une chose qu'on nous on faisait pas, il a pris deux bonnes places, et malheureusement au bout d'un mois il me l'a rendu très vite, et après la carrière c'était fini. Vanita du Maine, une mère de tout Bénin qui aura un caillou de mâchoire qui les save avec un protège-tendon, et puis je m'en vais, et l'erreur que j'ai fait c'est de l'amener à la clinique vétérinaire tout de suite. Elle a attrapé un staphylocoque là-bas et là, ça y a bouffé l'articulation, on ne l'a jamais pu revue sur un champ de course. Ça, c'est un gros regret parce que je pense que c'était une jument de groupe. Guillaume qui nous demande, as-tu des regrets avec Nifan Saint-André? Dans tous mes bons chevaux, j'ai des regrets, mais après, il ne faut pas oublier, il faut tourner la page. Les chevaux, la mère des chevaux n'est pas morte, demain j'en aurai d'autres. C'est quand même moi qui les ai mis en valeur parce que c'est des chevaux que, ils ont été, faut pas l'oublier, ils ne sont pas nés très bons, ils étaient fabriqués. Hein. Donc après, quand les gens ont fait mieux derrière, c'est qu'ils ont continué mon travail. Donc ça veut dire que j'étais pas si mauvais de les avoir déclenchés. Autre question de Guillaume, on te voit bien réussir avec les poulains. Par contre, avec les vieux chevaux, c'est plus trop ça. Selon toi, est-ce que ton tempérament très bouillant influerait sur le comportement de tes chevaux ou autre chose? Il y a plein de choses. C'est que les jeunes chevaux, déjà, j'aime bien. J'aime pas les vieux des autres. Parce que je sais pas, comme je dis, je sais pas trop les entraîner parce que tu sais pas s'ils travaillent fort, pas fort. Donc ma méthode, des fois, ça convient pas. Ou des fois, ça marche. Il y a du pour, il y a toujours du pour ou du contre. Après, dans les jeunes chevaux, c'est que je les ai eus du début. Et attends, redis-moi la question parce que j'ai encore dire un truc important. Ben non, mais il s'étonne que t'aies pas de vieux chevaux et il pense que c'est... J'ai un truc qui est tout bête chez moi, c'est que même le poulain ordinaire ou moyen, je fais pas d'hôtellerie, donc je vais le sucer jusqu'au bout pour que le client, il dépense pas l'année des 5 et 6 ans, qu'il passe à autre chose. Comme ça, pendant 4 ans, il a gagné du pognon, moi aussi, et après on est passé à autre chose. Donc c'est un peu... c'est que le cheval, il devait faire une petite carrière, puis c'est tout. Alors une question un petit peu vache de Frédéric qui nous demande, on a souvent l'impression que tu en veux à la terre entière, pourquoi? Non, j'en veux pas à la terre entière, je pense qu'il manque des gens un peu plus francs, donc... J'essaie de rendre ma franchise, moi personnellement, à tout le monde, mais tout le monde n'est pas né comme moi, donc voilà. Nous, on est issus, on est fiers de notre sang chez nous, et je pense que ça fait peut-être un tort, mais au moins on dit ce qu'on pense tout de suite. Voilà. Not sure I understand.